Notre prochain invité, c'est un Corbeil. Mais il n'y a pas de parenté avec Yves Corbeil, à part le fait peut-être qu'il a déjà gagné 10$ à la loterie. Ça fait comme un petit cousin loin, ça. Je vous présente, mesdames et messieurs, Jean-Marie Corbeil. J'ai la conviction profonde que la santé passe par la prudence. Je m'explique. Tu sors dehors, pas de tuc. Paf! Un rhume. Tu fais l'amour, pas de condom. Paf! Une maladie. Tu travailles dans une tour au centre-ville. Paf! Un avion. Faut être prudent. Il y a des sports qui sont dangereux qu'il faut pratiquer avec prudence aussi. Il faut vérifier ses équipements. Oui, c'est important pour la santé, ça aussi. Le bungee. J'ai peur de ça, moi, le bungee. J'ai toujours peur d'être le premier client d'une nouvelle tour à bungee, puis que le boss se fie sur moi pour savoir si l'élastique est de la bonne longueur. Là. OK, ah ouais! Saute! Trop long! Manque pas grand-chose, 2-3 pouces, là, mais... Trop long! À toi, on va te donner un tour gratis. J'ai déjà été faire du surf à Miami aussi, sur des vagues de 50 pieds, là. Ça a l'air le fun, mais quand tu fais pas attention, watch out! Quand tu pognes une débarque là-dedans, là, le cul, la tête, le cul, la tête, le cul, la tête, le cul, la tête, j'ai mangé du sable! Ah! Oh, j'ai chié un château! Yeah. Je viens de m'imaginer, là. Il y a une chose que j'aurais pas dû faire, j'ai pas vérifié mes équipements à ce moment-là et j'aurais donc dû le faire, vraiment. C'est du parachute. Ça, j'aurais pas dû. Imaginez-moi dans un avion à plus de 12 000 pieds d'altitude avec ça sur la tête. Comme si ça allait me protéger de quelque chose. Et je m'apprête à sauter et j'ai sauté. Ben tiens, plutôt que de vous en parler de mon saut, je vais vous le montrer. Présentement occupé. Veuillez garder la foi pour conserver votre priorité d'appel.
Jean-Marie Corbeil.